Olivier, je le connais depuis longtemps. On est sortis quelques fois à Chauzet ensemble. Quand on était gamin, avec mon père, on allait pêcher là-bas. On était tout gamin, quoi. On ne pouvait pas imaginer un jour que moi, j'allais être cuisinier et lui, allait être le pêcheur de homards. Ben, je fais la pêche, moi, depuis 27 ans, à peu près. J'ai fait 2 ans avec mon père. Puis après, je me suis mis à mon compte et j'ai acheté mon bateau il y a donc 25 ans. Je fais la pêche au casier depuis ce temps-là. Quoi. Bon, le moment le plus difficile, c'est quand il y a vraiment du mauvais temps ou quand, les moments où ça pêche pas, ça c'est désagréable. On met du matériel à l'eau, on le relève parce que qu'on pêche ou qu'on pêche pas, de toute façon on fait toujours le même, on relève toujours nos 400 casiers à homard par exemple, donc ça fait quand même un certain poids à la fin de la journée. Quand il n'y a rien à pêcher, par contre les casiers paraissent vraiment très lourds. Ils font 20 kg, mais là on a l'impression qu'ils font 40. Et quand il y a quelque chose dedans, on sent que le poids du homard. Quoi. 520. Je n'ai jamais mis un homard à Olivier que je pensais pas bon et il m'a jamais demandé d'aller chercher de la marchandise parce que j'ai toujours mis quelque chose de bien. De toute façon, ce qui n'est pas bien en général, je ne le revends pas. Les mauvaises langues disent que pour cuisiner un homard, moi, il faut que je connaisse le prénom du père du pêcheur de homard. Mais c'est le cas. Le papa de Philippe, il s'appelle France et il m'a servi pendant des années. La pêche fraîche, Philippe. Ouais, exact. Ah oui, non, mais ça, c'est joli. Ça en a beaucoup de ma taille, pratiquement. Hein? Bah oui. Et ça, t'en veux pas, bien sûr. Non. Et pourquoi il n'en veut pas, celui-là? Parce que les sapins, c'est tout petit, ton garçon. Parce qu'il y a eu un vainqueur. De tous les pêcheurs, j'ai le plus grand respect devant ces hommes comme ça qui affrontent au quotidien l'élément. Ce sont quand même de grands, grands bonhommes. Depuis qu'il a rendu ses 3 étoiles, Olivier Rollinger se consacre désormais au château de Richeux. Château Richeux, c'est une folie en réalité. C'est une folie que nous avons eue avec Jeanne de faire revivre cette maison construite en 1920, côté un peu baroque, huileux de Bavière, maison un peu folle, posée comme ça entre ciel et mer, comme ça au-dessus de la baie de Cancale, au-dessus de la baie du Mont-Saint-Michel. Et elle est totalement axée par rapport au lever du soleil et à son coucher. Et elle a tout ce parc au-dessus qui l'entoure. Et dans un premier temps, le parc doit être tout à fait soigné. Et petit à petit, aller vers la nature, c'est-à-dire être de plus en plus l'habitat du vivant. Et puis, pour finir, se fondre dans celle de la lande, des champs et qui nous environnent. Avec Jeanne, on a trouvé, c'était une friche ici, c'était un terrain vague et cet endroit me faisait rêver enfant. C'était à la fois le château de la Belle au Bois dormant et le château du Hurlevent. Et le jardin lui-même, là, ce sont tous les rêves d'enfants qui doivent se concrétiser. C'est la mare aux grenouilles, ce sont les abeilles, c'est le conservatoire de pommiers, c'est le tipi de Jacques Cartier, c'est d'avoir les animaux, les ânesses, les petits moutons d'Ouessant, d'aider le gros cochon. Oui, fais un câlin. S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Alors, Pépère, tu peux sortir, hein? C'est un cochon chinois qui avait été abandonné dans la forêt et les gardes forestiers nous l'ont ramené. Ils se sont dit, il va être bien nourri. Oui, très beau, très beau, très beau. Lieu dont il a toujours rêvé et qu'il a créé à son image, Olivier Rollinger l'a ouvert à tous. Il y a installé un potager qui ne ressemble à aucun autre. Là, on arrive dans le potager celtique. Voilà, donc on a de l'hysope, on a de la camomille, on a le persil du Tibet, on a différents fenouils, on a de la livèche, on a la pimprenelle, on a des menthes velues, menthes poivrées, menthes marocaines, mélisse, différents origans, du galanga aussi, ça c'est des herbes un peu d'Asie du Sud-Est que l'on fait planter là. Donc, on veut faire revivre cette maison à la fois de bonheur et de richesse de rencontres. Outre la Bretagne à laquelle il est viscéralement attaché, Olivier Rollinger est un grand voyageur. Sa cuisine a d'ailleurs toujours été empreinte de saveurs venues du monde entier, avec une fascination particulière pour les épices indiennes. Alors tout d'abord, ce sont des épices, la grande majorité sont en commerce équitable, en particulier d'Inde, du Wayanad, dans le nord du Kerala,
où on travaille avec plus d'une centaine de producteurs, 120 producteurs, petits producteurs. Toutes les grandes cuisines sont des invitations au voyage. Et la chose est d'autant plus vraie dans le cas d'Olivier Rollinger. D'être un trait d'union entre ces oubliés de la planète pour leur permettre de vivre un peu plus décemment avec ce commerce équitable et de me rendre accessible ma cuisine qui était une cuisine de 3 étoiles pour des moments d'exception, eh bien tout d'un coup, moi je veux la rendre disponible pour une cuisine de tous les jours. La qualité, elle se mesure par rapport à des dimensions humaines et de rapport avec l'autre, rapport avec ses collaborateurs, rapport avec son équipe, son équipage. Voilà. Ensuite, les fournisseurs, un peu comme un réseau, une toile comme ça, immense, des gens de la mer, des gens de la terre, et puis aussi de tous ces anonymes de l'autre bout de la planète. Et puis enfin, avec ceux qui viennent à notre rencontre, tous ces clients qui se sentent, qui ne deviennent plus des clients, mais qui viennent des complices pour un moment à partager ensemble. Dans le vin bouillon, s'il vous plaît. 23, doucement. Hein, okay. C'est peut-être quelque chose qui va au-delà de vendre ou d'acheter, mais c'est de permettre à chacun, à nouveau, d'être bien. Ce qui est beaucoup plus compliqué que d'avoir 3 étoiles. Vous utilisez mon origan de Sicile, là aussi ? Oui, on a commencé à le mettre. Hein ? Ouais. Ici, réussir, c'est partir. Et pour moi, en réalité, la cuisine, c'était un moyen de larguer les amarres et d'exprimer cet esprit d'aventure. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé, et je continue à utiliser, cette gamme d'épices qui va jusqu'à 120. Et on les utilise pas du tout pour traduire une cuisine exotique, mais on les utilise comme en littérature, on utilise la ponctuation pour marquer un rythme, un tempo, un style, mettre en relief. Partisan d'une cuisine aux accents internationaux, Olivier Rollinger reste malgré tout attaché à sa région et aux produits de la mer. Et s'il est bien un produit dont les cancalais sont très fiers, ce sont leurs huîtres. On ne peut rien faire sans les fournisseurs, sans les producteurs, sans les pêcheurs, sans les maraîchers. On ne peut rien faire non plus sans les personnes qui apprécient et qui comprennent ce que vous voulez exprimer. Parmi tous les producteurs avec qui il travaille, le chef Olivier Rollinger voue une tendresse toute particulière à Annick, cancalaise et ostréicultrice depuis plus de 50 ans. Annick est une véritable encyclopédie vivante de l'ostréiculture et de la pêche. Elle est bien équilibrée. Elle est belle, elle est bonne. Ouais. Le poisson est magnifique. La coquille est bien blanche et le poisson est beau. Bien dentelé, bien coffré. Oui, bien coffré. Bah, tout d'abord, Annick, pour moi, le... Annick Prodhomme, c'est une femme qui incarne le caractère trempé des femmes de Cancale. Ce travail, cette sincérité, cette spontanéité, cette droiture, cet amour du travail bien fait et cette connaissance du travail de l'huître, travail de la mer comme ça, c'est dur, rude. C'est l'expression d'un pays, d'une terre qui est là, avec... avec cette femme qui ne peut faire que bon. On ne peut pas dissocier Cancale et les huîtres. Oh ben non, automatiquement, quand on dit Cancale, les huîtres. Annick, elle a l'âge de ma sœur, c'est une grande sœur dans les produits comme ça. Hein. Donc il y a une complicité qui se fait. Il n'y a pas besoin de se parler beaucoup et de se dire beaucoup de choses. Hein, on porte cette baie, cet entre ciel et mer, de la même manière. On a les mêmes, chacun à notre manière, mais elle exprime l'amour de ce pays à travers ses huîtres, à travers toute sa vie, toute sa famille. Comme moi, avec Jeanne et avec tout l'équipage, on exprime aussi la grandeur et la beauté de cet endroit. Elle est très belle, très. La coquille bien blanche aussi, pas chambrée. Ça c'est. Je pense que pour l'hiver. Faites belles huîtres, Annick. Hein. Oh. C'est-à-dire qu'on garde le savoir qu'on nous a appris. Et quel. Ah, ça c'est du costaud. C'est pas. Là vous mettez le couteau automatiquement. Et non, pourquoi vous cassez plus certains qui sont. Bah, c'est-à-dire que nous on les garde plus longtemps et on les met à durcir sur les terrasses de terre. Ça coffre, ça fait des belles huîtres. On a toujours un peu à mettre de deux côtés aujourd'hui la notion de labeur. Il y a un labeur, il y a des heures de travail derrière une huître de qualité comme ça.
Et c'est à nous, cuisiniers, finalement, nous sommes le dernier maillon, et de sublimer, finalement, ce travail de plusieurs années. Ah oui. Les crochets. Parce que je crois que dans l'huître, on va chercher l'énergie de la mer, l'énergie des abysses, comme ça. Moi, j'aime bien un bateau comme ça. Oh bah c'est meilleur sur le temps. Hein? Oh bah c'est meilleur sur le temps. Hein? C'est une vie. Une vie. Et pourtant, moi, je ne voulais facile. Pas faire les huîtres. Je voulais pas les faire. Et puis, en plein dedans, on a fait, comme dire l'autre, presque un siècle dans les huîtres. Bah, ça préserve quand même. Hein? La preuve. Pleine forme, Annie. Bon, il faut qu'on y aille parce que la mer monte. Allez, hop. C'est pas le tout, hein, mais enfin, il a fait beau temps. Quand je suis pas dans mes cuisines, ou quand je suis pas dans mes livres, ou quand je suis pas dans mes formules de composition, de création, de poudre et d'épices, d'ailleurs, je suis sur l'eau. Le bateau, la voile et la cuisine, c'est la même chose. Je vis la vague, je vis le vent, et finalement, dans la cuisine, j'essaie de donner ce goût du vent, de la vague, et puis évidemment, cette histoire et ce qui nous porte au lointain, à l'horizon, avec ce goût de l'ailleurs, le goût de l'aventure, le goût des épices. C'est peut-être pour ça qu'on m'a surnommé cuisinier grand cerf.